Je ne te comprends pas, Julien. Tu sais parfaitement ce que cela signifie. Au revoir. Lève, s'il te plaît. Tu connais déjà la date de ton examen? Quel examen? De quel examen penses-tu que je parle? De ton examen de philo? Ah, oui. Et? Rien, je sais pas, mamie. Je sais pas si je veux me présenter. Donc, Julien, qu'est-ce qui lui vient? Tu vas pas l'inviter à manger un jour? Je sais pas, mamie. On n'est plus ensemble. Aussi. De toute façon, il va partir. Partir? Où? En Afrique. En Afrique? Eh ben oui, mamie, en Afrique. Mais pourquoi il va partir si loin? Aïe. À Abidjan. Une ville en Côte d'Ivoire. Il y a une guerre civile là-bas. Et qu'est-ce qu'il en dit, lui? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Faut pas que je m'inquiète. Faut pas qu'on s'inquiète. Dis-moi pourquoi il doit partir si loin, mamie. C'est un imbécile! C'est un idiot! Comme tu sais, c'est ton grand-père qui m'a laissé quand il avait 24 ans. Et moi, à peine 17. Bon, c'est pas lui qui m'a laissé. C'est plutôt moi qui est parti. Je comprends pas, mamie. Marita, pendant la guerre, il y avait beaucoup de personnes qui ont dû partir. Y compris moi-même. Je suis partie. Je suis partie en France. Je suis restée longtemps. Et pourquoi tu n'es pas restée ici? À cause de représailles, ton grand-père ne me laissait pas. C'est ça les fascistes. Il fallait toujours être vigilant. Tu ne penses pas que je mourrais d'envie de lui dire de ne pas s'enrôler et plutôt de venir avec moi? Mais pour lui, c'était comme un devoir. Ton grand-père a combattu jusqu'à la fin. Il tenait le coup tous les jours, même quand tout avait fini.
Et ces salauds sont venus pour nous déranger. Mais moi, je l'ai soutenu, toujours. Oui, mamie, mais c'est différent maintenant. Julien part pour combattre une cause qu'il ne connaît pas, qui est digne, mais qui n'a rien à voir avec lui. Peut-être ça n'a rien à voir avec toi, mais pour lui, sûrement, c'est très important. Tu ne l'as jamais demandé par hasard? Écoute, ma petite, je ne connais pas bien ton copain, mais j'ai l'impression que tu l'aimes. Ne sois pas bête, franchement. Oh, Marita, bonjour! Viens ici avec moi, viens, viens! Tu verras! Qu'est-ce qui se passe? Tu verras, c'est très amusant! Viens avec moi, viens, viens! Tu as un briquet? Non, mamie, bien sûr que non! Attends, ça fait rien, j'ai des allumettes. Mais pourquoi tu allumes des pétards le vendredi matin? On peut savoir? Mamie, ne fume pas, s'il te plaît. Ah, ça marche pas, ça. Ah, oh, mon Dieu! Je t'aide. Toi? Oui. Tiens, allez. Non, je fume pas, mon mamie. Ah, essaye! C'est pour toi. Pour? Branche-le toi. T'es sûr? Ah oui. Voilà, c'est pour toi. Pour moi? Oui, oui. Tu t'en rappelles? Mais mamie, il me manque, mamie. C'est pour toi, pour ton Julien et pour ton grand-père. Tu vas être la meilleure aviatrice du monde. Pour nous deux. Ma petite, pour nous deux.
Ma grand-mère me dit toujours que l'atterrissage ou le décollage d'un avion se fait à contre-vent. Comme moi, en contre de beaucoup de choses. Que je comprenne ou non, je vais continuer. Que le chemin soit long ou court, cela m'est égal. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Esta mañana me he despertado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he despertado y he encontrado al opresor. Contigo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 guerrillero, quiero ir contigo porque me siento morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una fosa.